Maintenant, la Bretagne, et plus précisément Redon. C'est ici que vit Claire, 19 ans, avec son fils de 13 mois. Cette jeune mère célibataire mène de front sa vie de maman et sa vie professionnelle. Malgré son jeune âge, la mère célibataire souhaite être indépendante et subvenir seule aux besoins de son enfant. Mais le 31 octobre 2006, tout bascule. Paniquée, elle signale aux gendarmes la disparition de son garçon. Il se serait évaporé en l'espace d'une dizaine de minutes alors qu'elle sortait la poubelle en bas de l'immeuble. Un important dispositif est alors mis en place pour le retrouver, sans succès. Et ce n'est que 3 jours plus tard que le corps sans vie du petit Nicolas est finalement repêché dans un étang à proximité du domicile familial. Sa mère, principale suspecte, est à nouveau entendue. Elle évoque alors un accident domestique mais ne convainc pas les gendarmes. En parallèle, les résultats de l'autopsie confirment la thèse de l'homicide. La jeune femme craque et passe aux aveux. Elle aurait étouffé, étranglé, puis pendu son enfant. Elle aurait ensuite emballé son corps, lesté de bouteilles dans un sac avant de le jeter dans l'étang. Des faits d'une violence inouïe qu'elle aurait commis car elle ne supportait plus d'élever son enfant seule. Elle aurait surtout été paniquée à l'approche des vacances de la Toussaint. Très impliquée dans son nouveau travail, Claire aurait eu peur de n'avoir personne pour garder son petit et d'être obligée de démissionner. Elle n'aurait alors vu que cette seule issue. Au poste de gendarmerie, 3 jours après les faits, Claire est placée en garde à vue. Elle est auditionnée. Si au départ la jeune femme nie toute implication dans la mort de son fils, au fil de l'interrogatoire, elle finit par évoquer un accident domestique. Une version qui est loin de convaincre les autorités. Pardonnez-moi, mais la thèse du décès accidentel ne peut pas coller avec la dissimulation du corps. Je veux dire, un parent qui est confronté à la mort accidentelle de son enfant, il ne va pas avoir pour réflexe de le changer, de l'emballer dans un drap, de le lester de bouteille et d'aller le jeter dans un étang. L'autopsie va déterminer que l'enfant est mort à la fois par étouffement, par strangulation et par pendaison. Visiblement, on a affaire à un meurtre qui s'est fait en plusieurs étapes. Confrontée à ces éléments accablants, la jeune femme de 19 ans craque. Elle déclare alors aux enquêteurs qu'elle ne supportait plus d'élever son enfant seul. Ce lundi 30 octobre, au soir, elle décide donc de le supprimer. Et elle va avoir un terrible geste. Le premier d'une longue série. Elle va donc dans un premier temps tenter de tuer son enfant en l'empêchant directement de respirer, en lui mettant la main sur la bouche et en le tenant. Elle livrera aux enquêteurs le fait qu'elle n'arrive pas à mettre fin à ses jours de cette manière-là, parce que l'enfant bouge trop, se débat pour survivre. Mais la jeune mère est déterminée. Elle s'empare d'une peluche et tente à nouveau d'étouffer son fils de 13 mois. Sans succès. Elle prend alors une écharpe qu'elle enroule autour du cou de Nicolas. Entre deux phases du calvaire de cet enfant, elle part acheter des confiseries, elle revient, elle se rend compte que l'enfant respire encore, donc elle resserre l'écharpe. Face à des enquêteurs médusés, Claire reconnaît alors avoir commis l'irréparable. Elle va passer à un troisième mode de strangulation qui va être le bon, c'est-à-dire qu'elle va se saisir de cette écharpe, le pendre à la fenêtre. Puis pendant ce temps-là, elle regarde un film comique à la télé. Oui, c'est assez déroutant et incompréhensible. Entraînée dans sa spirale meurtrière, la jeune femme enroule ensuite le corps de son enfant dans un drap, le leste de bouteille, le met dans un sac et s'en débarrasse dans l'étang. Après plus de 36 heures de garde à vue, Claire est mise en examen pour homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans et placée en détention provisoire. Dans la cité bretonne, la nouvelle de la mort du jeune Nicolas choque la population. Personne
n'explique le geste commis par cette mère de famille qui semblait pourtant si proche de son enfant. C'est inimaginable, impossible. Elle était une mère incroyable. Il n'y a pas d'explication. Je pense qu'on peut chercher, comprendre, mais on ne comprendra jamais. Je sais même elle si elle est capable de comprendre. Retour en direct sur le plateau de La Quotidienne de Crimes et Faits Divers. Maître Jean-Christophe Voyer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat de l'Enfant Bleu. On a entendu ce dernier témoignage qui était très touchant. Au fond, cet ami de Claire qui disait « on ne comprendra jamais ». C'est vrai que c'est très difficile à imaginer parce que Claire, elle a 19 ans au moment des faits. Elle est maman de ce garçon de 13 mois qu'elle a eu avec un garçon qui était mineur à l'époque, qu'il a laissé au bout de 6 mois. Mais on avait l'impression, en tout cas tout le monde avait l'impression qu'elle était très attachée. Oui, cet enfant. C'est totalement exact. D'ailleurs, Edith, son amie, était très proche d'elle, gardait son enfant dès qu'elle en avait besoin. Ce qui a d'ailleurs démonté un petit peu la thèse du fait qu'elle ne savait pas comment faire pour se débrouiller avec son retour à l'emploi pour s'occuper de son enfant. Sachant que sa famille n'était également pas très loin, elle faisait aussi l'objet d'un contrat jeune majeur. C'est-à-dire qu'il y avait tout un dispositif autour d'elle qui lui permettait d'avoir les supports nécessaires pour continuer dans la vie avec son enfant. Mais c'est vrai que mère et fils semblaient heureux. A priori, ils semblaient. C'est pour ça que j'ai employé le mot « semblait ». Et on se demande comment tout à coup on peut basculer d'une telle horreur, parce qu'on a décrit la façon dont elle a tué son fils. Et c'est terrible, elle s'y reprend à plusieurs fois. Elle va le pendre, elle va ensuite le jeter dans l'eau. C'est quasi inimaginable. Alors, c'est quasi inimaginable si on s'arrête à l'acte, puisque bien évidemment, c'est horrible. Si vous zoomez sur cet instant où cet enfant passe de vie à trépas, c'est bien évidemment que on ne peut que se questionner. Maintenant, et d'ailleurs, c'est l'objet du travail depuis de nombreuses années de nos associations, c'est que on essaye d'attirer l'attention sur les pouvoirs publics, sur le fait que la protection de l'enfance, accompagner les jeunes majeurs qui sont en difficulté, c'est aussi le travail des soignants et dans les services sociaux, ce qu'on appelle l'ASE, service par lequel elle était suivie. Vous n'avez que des professionnels de l'assistante sociale, des éducateurs jeunes enfants, mais par contre, vous n'avez aucun soignant. Alors que, par exemple, quand vous allez dans un service hospitalier, vous avez des puéricultrices ou des sages-femmes ou des psychologues qui ont une démarche du lien de parentalité. Les experts à l'audience ont montré, ont parlé de l'enfant-objet, c'est-à-dire que je vais faire un raccourci parce que moi je suis pas expert, hein, je suis pas psychologue, mais c'est comme si on était dans un peu dans la consommation de l'enfant, et tant que ça lui plaisait, elle s'occupait de lui, et puis à un moment, cet objet, elle savait plus quoi en faire. Et le problème, c'est que tout l'entourage, et bien évidemment, je rejette pas la faute de l'acte sur l'entourage, mais c'est-à-dire que malgré toutes les protections qu'on pouvait avoir autour d'elle, personne, en fait, avait qualité pour identifier le fait que le lien de parentalité avec cet enfant ne s'était jamais construit. Alors, ça ne veut pas dire que si on refaisait l'histoire, ça n'arriverait pas. Mais il y aurait peut-être quelques signes d'alerte, en tout cas. Quelques signes d'alerte, ouais, qui auraient peut-être fait que cette femme aurait pu être accompagnée pour ne pas passer à l'acte. Sabrina Philippe, psychologue, justement, je pense que vous allez être d'accord avec ce que dit maître Jean-Christophe Boyer. C'est qu'il manque ces professionnels de la santé qui sont capables de détecter à un moment donné quand il y a quelque chose qui ne va pas, alors qu'en apparence, ça va. Parce que quand les apparences, on sent qu'il y a un problème, c'est facile, j'ai envie de dire. Mais dans des cas comme ça, c'est quasi impossible si on n'est pas un professionnel de la santé. Exactement, parce que tout ne se joue pas dans la matérialité. Vous voyez, c'est que l'assistante sociale, elle va s'occuper de la matérialité, c'est son travail. Mmh. Bon. Mais tout ne se joue pas là. Ce qui joue dans le lien, en effet, il faut pouvoir le repérer, il faut être un professionnel pour le repérer. Ce sont des mères, en général, justement, qui ont ces enfants-objets, qui n'ont pas investi l'enfant, qui l'ont investi comme un objet. C'est pour ça que ça donne aussi l'apparence de... C'est-à-dire qu'en fait, elles sont conformes au regard de l'autre, à ce que l'autre attend d'elle en tant que mère. Donc, elles vont prendre l'enfant dans leurs bras, elles vont sourire à l'enfant, pensant que la personne les regarde en se disant « c'est ce qu'on attend de moi ». Voilà. C'est presque jouer un rôle, alors, au fond. Oui, mais intériorisé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque malgré elle. C'est-à-dire qu'elle se conforme à ce qu'on attend d'elle. Et c'est pour ça que l'enfant est objet, en effet. Et à un moment, cet enfant, objet, finalement, n'a plus son intérêt. Voilà, il est plus une entrave à sa vie que un lien, enfin, que potentiellement un objet d'affection.
Et c'est pour ça qu'elle s'y prend à plusieurs reprises, qu'elle va l'étouffer, trouver des moyens, qu'elle va le prendre. Parce qu'on a le sentiment que tout à coup, il n'y a même pas un éclair d'humanité à un moment donné de dire « mais c'est mon fils ». Parce que c'est coupé. C'est coupé, à un moment elle décide que cet enfant ne doit plus faire partie de sa vie, donc elle continue sa vie déjà comme s'il n'était plus là. D'ailleurs elle sort, alors qu'avant elle ne sortait sans doute pas en le laissant, elle sort, elle revient, elle voilà. Donc bon, ça en effet c'est repéré par des professionnels, encore faut-il qu'ils soient là au bon moment, ce sont des mères que l'on voit justement, alors c'est des petites choses, hein. Ça se repère dans des détails quand vous êtes en consultation avec ces mères et ces enfants, dans justement un lien qui ne se fait pas, à un moment où vous dites mais... D'accord, elle l'a pris dans ses bras, elle a souri, mais là, normalement, elle devrait réagir aux pleurs de l'enfant. Et vous voyez la mère qui ne réagit pas, qui fait autre chose. Et c'est des petits détails comme ça qui permettent de mettre sur la voie du fait que le lien ne s'est pas créé. Alors, le 10 février 2009, le procès de Claire débute à la cour d'assises de Rennes. 3 jours d'audience vont se succéder. Et l'enjeu est grand car la jeune mère de famille encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Face à l'auditoire, Claire apparaît... très émue, difficile à ce moment-là d'imaginer que cette jeune femme immature a commis l'irréparable. Le 10 février 2009, le procès de Claire s'ouvre à la cour d'assises de Rennes. Elle a alors 22 ans et encourt la prison à perpétuité. Aucun proche de la victime ne s'est porté partie civile. Tout au long des débats, l'avocat de Claire insiste sur la jeunesse et l'immaturité de sa cliente. C'est une défense qui est difficile, parce que c'est aussi un élément à charge, puisque c'est toute l'immaturité de Claire qui fait qu'on en est arrivé là. Et qu'on ne peut pas nier dans ce dossier, c'est que ça avait beau être une mère célibataire, c'était une femme très entourée. À tel point qu'à la barre, ses proches la soutiennent encore. Pourtant, dans l'Assemblée, au fur et à mesure des témoignages, les visages se crispent. Quand on commence à sortir les pièces à conviction, j'ai été désespérée. C'était horrible, on m'a décrit un monstre. C'était pas la personne que je connaissais, c'était pas elle. C'est inconcevable. Sans surprise, le dernier jour du procès, l'avocat général réclame une peine exemplaire de 25 ans de réclusion criminelle. Mon objectif a été surtout de montrer justement la nature particulière du processus criminel dans ce dossier et de montrer qu'elle n'était pas la jeune femme dont elle avait voulu renvoyer l'image, c'est-à-dire que ça n'était pas le procès de la misère sociale, de la mère célibataire abandonnée, isolée, qui n'en pouvait plus et qui n'avait pas d'autre solution finalement que de supprimer son enfant parce qu'elle n'arrivait pas à vivre et à faire vivre son enfant. Au terme de 3 jours d'audience, le verdict tombe. Et il est sans appel. Les jurés condamnent Claire à 25 ans de prison ferme. L'accusé a le droit, une dernière fois, à la parole. La présidente lui a demandé si elle avait quelque chose à dire. Elle a dit, c'est plus que mon âge. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits Divers. Maître Jean-Christophe Voyer, l'avocat de l'Enfant Bleu, est toujours en direct avec nous sur ce plateau. Ce qui était étonnant, c'est que pendant ce procès, elle a eu le soutien de sa famille. C'est pas étonnant. Vous avez des proches qui se retrouvent dans nous ce qu'on appelle un conflit de loyauté extrême. Donc ses parents ne pouvaient pas faire autre chose que d'être derrière elle et en même temps, ils avaient perdu leur petit enfant. La particularité, et d'ailleurs c'est la raison de la présence de l'Enfant Bleu dans ce dossier, puisque c'est pas une habitude des associations de défense des droits de l'enfant d'aller dans les dossiers intrafamiliaux quelque part, c'est que le père biologique n'était pas connu au moment de l'audience. Il s'est manifesté au cours de l'audience et d'ailleurs j'ai porté sa parole dans la plaidoirie également puisqu'il m'a demandé de le faire. Mais nous, quand on est arrivé à l'audience, c'est simplement parce que si l'association ne s'était pas manifestée, vous n'aviez dans l'équilibre du contradictoire personne du côté des parties civiles. Mais on ne peut pas reprocher à des parents de se garder en retrait, être là quand même pour leur fille qui était dans la barre, qui était derrière le box, et puis également de ne pas pouvoir prendre position pour leur petit-fils. Vous dites que vous avez eu le père de l'enfant. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était quoi sa position?
très silencieuse, parce que je ne peux pas parler pour lui, mais la seule chose, c'est que lui-même n'avait appris qu'il était le père biologique que dans le cadre des investigations judiciaires. Donc c'était assez particulier comme situation. Et d'ailleurs, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une femme qui a fait un enfant pour elle.